Un hôtel des ventes, mise en enchère, c'est pareil. Donc vous pourrez acheter tout ce que vous voulez, par exemple des épées. Dessus vous pouvez voir les caractéristiques exactes, vous verrez que ça c'est une... le comparatif, qui est très intéressant d'ailleurs. Pour voir exactement comparer les deux armes. On va aller ici, qui est un petit centre d'entraînement. Un centre d'entraînement qui est en fait qui est beaucoup plus efficace que de vous montrer les rouages exactement. Donc je vais vous montrer quand même les rouages juste après. Mais dans ce centre d'entraînement avancé, il y a tout. Il y a vraiment tout qui est expliqué. Donc il y a voilà tous les éléments, tous les obstacles qu'on peut avoir. Ben, voilà, donc ça on a les blocs destructibles, les blocs indestructibles, les blocs fantômes qui détruisent tout ce qui est à côté, les explosifs à retardement. Là c'est pour voir un petit peu l'effet en chaîne quoi. Les cristaux qui permettent de casser voilà, un cristal casse tous les autres cristaux du même couleur. Tous les mécanismes de porte, tout ça que l'on peut activer à distance ou à l'aide d'un objet. On peut faire alterner les objets voilà qui permettent voilà à lancer, ça fait différents effets sauf si on les lance mal. Nous avons ensuite l'utilisation du bouclier, voilà tout simplement le bouclier qui change de couleur en fonction qu'il encaisse des coups. Donc là il va pas tarder à passer en orange et finalement qui devrait craquer dans pas longtemps. Voilà, nous avons ça, les pièges au sol, donc poison, électrifié, ça je sais pas exactement, gelé, d'accord. En effet on peut plus bouger, aïe 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 aïe. Voilà, on va prendre la vie, le feu. D'autres petites choses, des pièges. Les pièges avec les pics qu'on a déjà vu. Les récompenses. Différents types de récompenses. Ça ce sont des bonus de vie voilà, qui sont en haut après. Donc une fois quand on les prend on a de la vie en plus. On la suit à fond donc on verra rien. Les pièces, donc argent, or, les vitapodes qui permettent d'avoir des vies en plus de ce côté là. Et la chaleur qui permettent d'augmenter l'équipement. Et différentes fioles. On va passer un petit peu. Donc les fioles qui te permettent différents états. Malédiction. Électrocution. Le gel. Ici on doit voir le feu. Poison en vert. Fiole de sommeil. Donc voilà, tout. Toutes ces petites aides qui permettent de survivre un petit peu plus longtemps. Donc il y a vraiment de la variété dans les pièges, dans les états, dans toutes ces tous ces petits détails là.
Sinon, pour aller un petit peu plus rapidement sur les petits détails du jeu. Donc, on va faire un petit peu le tour de l'équipement. Donc voilà. Donc là, on peut voir par exemple sur cette arme-là. Ah, dommage, je vais pas pouvoir pointer. La chaleur permet une jauge un petit peu moins claire sur la puissance offensive normale. En fait, cette jauge va progressivement augmenter. Toute la partie manquante qui est un petit peu moins claire va être remplie. Le nombre d'étoiles qui correspond donc au nombre. Enfin, la qualité des stats, etc. Le casque, par exemple, il va augmenter un petit peu plus considérablement. Donc, il va un petit peu doubler de puissance défensive. Accessoires, minéraux, matériaux, recettes. Alors, les recettes sont très importantes vu qu'elles permettent de crafter à moindre coût et bien vos équipements. Bon, par exemple, ici il faut 5 red shards, 2 scrap metal, un gramelin gizmo et un gel corps pour crafter le wrench wand, qui est un item, un objet qui a 2 étoiles, donc qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a actuellement. Donc c'est une façon d'utiliser les matériaux que l'on a, que l'on récupère dans les rouages. Après, il faut savoir que le jeu est limité en temps, du moins le temps de jeu dans les rouages. C'est-à-dire que là on a de l'énergie. Voilà. Donc on a de l'énergie qui est récupérée automatiquement, donc de l'énergie brume, qui sans unité d'énergie reviennent au bout de 24 heures automatiquement. Donc plus vous descendez, chaque étage vous fait consommer 10 énergies de brume par exemple. Lorsque vous mourrez, vous devrez aussi consommer de cette énergie-là. Donc cette énergie se consomme beaucoup plus vite qu'on la récupère. Donc par la suite, il vous sera possible de l'échanger. Donc de l'échanger par exemple actuellement, donc sans unité d'énergie, on peut les avoir pour 4100 couronnes. Donc ce jeu est vraiment intéressant pour ceux qui ne veulent pas forcément y jouer beaucoup d'un coup. Par contre, ceux qui rechercheront à jouer plusieurs heures, 2-3 heures par jour, les premiers temps ils vont être un petit peu ralentis. Peut-être que plus tard on gagne assez de couronnes pour récupérer de l'énergie, de la racheter et jouer encore et encore. Donc nous allons aller au nord d'Haven, à l'arcade, et nous allons voir la dernière partie de cette présentation. Donc les rouages. Donc l'arcade, c'est là où il y a les rouages, notamment. Là où il y a aussi. Donc là, on a une quête à valider. Donc on va la passer vite fait. Donc nous dit simplement qu'il faut explorer les rouages pour avoir des cristaux et puis pour ensuite les déposer dans les dépôts qu'on verra tout de suite. Ça, c'est la machine d'alchimie. Donc ça, on n'a pas de recette donc. On ne va pas pouvoir faire grand chose. Donc les minéraux que l'on trouve dans les rouages, exactement. Donc il faut les casser, les prendre et les déposer là-dedans. Donc voilà. Ce sont des portes qui sont à débloquer en fait. Enfin des rouages à débloquer. Donc dans... Oula! Là, dans beaucoup de temps, oui, la porte sera activée. Donc on voit que c'est quelque chose de très collaboratif vu qu'on en est à beaucoup de cristaux au final. Les portes qui sont déjà activées sont juste à côté. Donc par exemple celle-ci. Donc la porte d'Arc Lion, qui est composée de 29 strates, et il y a actuellement 1684 personnes. Donc voilà, on voit la décomposition. Donc pourquoi il y a ça?